candidat numéro 13, Anjadjouel, n'a obtenu 55,26% de voix. Le candidat numéro 25, Marc Ravelmanan, quant à lui, a obtenu 44,74% selon le résultat provisoire de la CENI vers 17h. Le candidat Anjadjouel n'a réitéré hier soir, lors de la soirée électorale organisée à 100 QG Arena, qu'il attendra avec patience les résultats provisoires officiels de la CENI. Le candidat Marc Ravelmanan est sur la voie de la victoire, selon ses dires, devant ses partisans au QG lors des comptages de voix hier. Il appelle tous les Malgaches à attendre les résultats avec apaisement et dans la quiétude. Et pour terminer, depuis 24 heures, il n'est plus possible de mener campagne à Kinshasa. Une décision du gouverneur de la capitale congolaise qui avance pour cela des raisons sécuritaires. Voilà donc pour les titres. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition du journal. La CENI est déjà en train de traiter les résultats provisoires suite à la tenue du second tour de la présidentielle d'hier. 4840 sur les 24 852 bureaux de vote ont déjà fait parvenir leurs résultats à la Commission électorale nationale indépendante, faisant état d'un taux de participation à hauteur de 47,11%. Selon les résultats provisoires sortis par la CENI sur son site à 18h36, le candidat numéro 13, Anjadjouel, a obtenu 610 514 voix, soit 54,24%. Le candidat numéro 25, Marc Ravelmanan, avec une différence de 95 459 voix, quant à lui, a obtenu 45,76% et 515 055 voix donc. Le candidat Anjadjouel a réitéré hier soir, lors de la soirée électorale organisée à son QG Arena, qu'il attendra avec patience les résultats provisoires officiels de la CENI. Les partiels de résultats actuellement démontrent néanmoins que le candidat numéro 13 fait nettement la course en tête des suffrages, a-t-il constaté hier. Il s'agit donc de la première réaction du numéro 13 à quelques heures du jour du scrutin. Fitiavana Doni, Ivrasata. C'est ici, au quartier général du numéro 13, que le candidat Anjadjouel et ses partisans ont décidé de se rallier pour la soirée électorale, moment pendant lequel ils attendaient ensemble la récolte des voix dans tout Madagascar ou la collecte des informations et incidents liés à l'élection. Sur cet écran géant sont projetés les chiffres de comparaison des voix obtenues des deux finalistes au deuxième tour dans la capitale comme dans les régions. À 22h, le numéro 1 du Tanour à Malaga Sivun TGV entre en salle, accueilli par l'ovation de ses partisans. Anjadjouel, à côté de sa femme, a déclaré qu'il s'agit d'un jour unique. Les Malagas ont attendu ce moment depuis longtemps pour choisir et voter. Je remercie ceux qui m'ont encore choisi lors de ce deuxième tour et ceux qui avaient voté pour un autre candidat mais qui ont changé d'avis aujourd'hui. Il a ajouté près de 2 millions de personnes assoiffées de changement m'avaient donné leur confiance le 7 novembre dernier et les résultats provisoires non officiels reçus démontrent clairement que Anjadjouel se retrouve de nouveau en tête dans cette course à la magistrature suprême. Lui de préciser cependant vouloir attendre avec patience le résultat officiel sorti par la CENI. Dans la vertu, nous allons attendre avec patience les comptages des voix de la Commission électorale nationale indépendante. La vérité restera la vérité et celui qui gagnera, gagnera. Le président fondateur de l'Initiative pour l'émergence de Madagascar avait remercié particulièrement sa femme et sa famille ainsi que toute l'équipe au QG et sur le terrain qu'il avait soutenu pendant tout le processus électoral depuis le 7 novembre jusqu'à hier.
Le candidat Mark Ravelmanen est sur la voie de la victoire, selon ses dires devant ses partisans au QG lors des comptages de voix hier. Les résultats actuels ne reflètent pas encore ce qui sera définitif, selon ses dires, mais il appelle tous les Malgaches à attendre les résultats avec apaisement et dans l'inquiétude. Par rapport à toutes les anomalies qui se sont présentées durant le scrutin, le K25 va déposer des plaintes à la juridiction compétente. Reportage de Sibylla Arjanjimazav, Fitch Antjimananzaj. Les réactions fusent dès le coup d'envoi du comptage de voix tard dans la soirée d'hier. Les candidats concernés n'ont pas tardé à partager leurs premières réactions devant leurs partisans. Le candidat Mark Ravelmanen est sur la voie de la victoire, selon ses dires, devant ses partisans au QG lors des comptages de voix. Puisque les résultats de bureaux de vote actuels ne reflètent pas encore ceux qui seront définitifs selon ses dires. Toutefois, il invite et appelle tous les Malgaches à attendre les résultats dans l'apaisement et la quiétude jusqu'à la publication des résultats provisoires et officiels par la CENI et la Haute Cour constitutionnelle. Par rapport à toutes les anomalies qui se sont présentées, durant le scrutin, le K25 va bien évidemment déposer des plaintes à la juridiction compétente. Ils apporteront et récolteront les preuves y afférentes, selon toujours ces explications. Un bureau de vote dans le district de Mamkyuni, région Sofia, a été attaqué par des bandits le jour du scrutin d'hier. D'après les informations émanant de la gendarmerie nationale, ils ont emmené avec eux certains des équipements et détruit le reste. Par conséquent, plus de 500 électeurs prévus voter dans ce bureau de vote n'ont pas pu effectuer leurs droits. À part cela, deux membres du bureau de vote ont été tués à coups de fusil à un casoir, d'après toujours la gendarmerie nationale. Anchalala Larsou, Omega Janefson. Les forces de l'ordre se sont donné la main pour la sécurisation et le bon déroulement du second tour de la présidentielle. Pour la gendarmerie nationale, plus de 9000 éléments ont été déployés dans tout Madagascar. Mais malgré cette sécurisation massive, des incidents se sont quand même produits dans quelques localités durant le jour du scrutin d'hier. Rien que dans le district d'Ankazouab Sud, deux membres de bureaux de vote ont été tués par balle. Ils étaient en chemin pour rejoindre le bureau de vote dont ils devaient s'assurer dans cette élection lorsqu'ils ont reçu des coups de fusil, d'après les informations reçues de la gendarmerie nationale. Ces deux membres de bureau de vote ont été remplacés au dernier moment afin d'éviter les dérangements provoqués au niveau du bureau de vote en question. À part cela, un bureau de vote dans le district de Mampikuni, région de Sofia, a été victime d'une attaque de bandits hier. Ils ont saccagé les matériels de vote et pris avec eux certains d'entre eux. De ce fait, plus de 500 électeurs dans ce bureau de vote n'ont pas pu participer au scrutin. Le bateau Flaïn a été intercepté hier au large de la baie d'Antongil. Il s'agit d'un bateau qui est soupçonné de servir de transport de bois de rose, selon le Premier ministre. Flaïn est arraisonné vers Tamatave. Une enquête a été ouverte. Reportage sur les images de Roots Anjian Bloulmanzatu. Flaïn a déjà fait l'objet d'une poursuite vers le début du mois de novembre, mais a échappé aux forces de l'ordre. Il avait aperçu de nouveau au large de Cap Maçon depuis quelques jours. Les forces de l'ordre et le ministère de l'Environnement ont intercepté Flaïn hier matin. Un équipage de nationalité chinoise a été à bord, dont un est blessé et suit les traitements adéquats. Le gouvernement malgache a utilisé la vedette rapide V13, le bateau Noé et un hélicoptère pour l'arrestation de Flaïn. La course-poursuite a duré plus de deux tours d'horloge. Selon le ministre de la Défense nationale, l'équipage à bord de Flaïn a failli au respect des règlements navals. Flaïn a déjà fait l'objet d'une poursuite en 2015, mais a échappé aux forces de l'ordre malgache. Flaïn est soupçonné de transport illicite de bois de rose en 2015.
Deux escrocs qui ont fabriqué de faux visas pour la France ont été appréhendés par la police nationale mardi dernier. C'est suite à la notification du refus par l'ambassade de France des visas que les falsifications ont été mises à jour, d'après les explications de la police nationale. Une somme de 3 200 000 AGH a été perçue par les fraudeurs en contrepartie des visas. 5 personnes ont été ainsi escroquées par les deux malfrats. C'est suite aux plaintes déposées par les bénéficiaires de ces faux visas que la police a ouvert l'enquête. L'un des escrocs a été arrêté à Mamassen et l'autre appréhendé à Mbunchen. Les deux escrocs ont reçu leurs méfaits, ont reconnu leurs méfaits en cours d'interrogatoire. Il est maintenant temps de passer aux actualités internationales. Depuis 24 heures, il n'est plus possible de mener campagne à Kinshasa. Une décision du gouverneur de la capitale congolaise qui avance pour cela des raisons sécuritaires. Hier, le candidat de l'opposition, Martin Fayulu, était resté bloqué à l'entrée de la capitale. France 24. Certaines confusions en RDC et dans la capitale Kinshasa. D'abord, mercredi, la décision du gouverneur de la ville de suspendre la campagne électorale pour des raisons de sécurité, alors que l'opposant Martin Fayulu était sur le point d'organiser un meeting dans la capitale Kinshasa. Il y a eu des tensions entre les militants de Martin Fayulu et les autorités. Et puis après cela, toujours mercredi, certains membres de la commission électorale ont annoncé à certains organes de presse qu'un report était éventuellement envisagé par la commission électorale pour le scrutin présidentiel. Un report peut-être d'une semaine. Alors on n'en sait pas beaucoup plus aujourd'hui, mais un petit peu plus déjà. La commission électorale a déjà demandé à parler avec les candidats à la présidentielle ce jeudi. On ne sait pas exactement pourquoi. Il est probable qu'ils essayent de commencer à expliquer aux candidats que le scrutin pourrait être repoussé. Beaucoup de conditionnels. En tout cas, on en saura davantage vers 15h. Il y aura une conférence de presse du président de la commission électorale, Corneille Nangaa. C'est aussi la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée sur TV Plus Madagascar. Au revoir.